bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre chorus podcast. Euh, nous recevons cette, euh, cette fois-ci notre amie christine oberdorf, euh, qui euh, va se présenter succinctement. bonjour, christine. bonjour, benoît. bonjour à tous. Eh bien, je m'appelle christine euh, oberdorf. Euh, j'ai pour habitude de dire que le, le, le journalisme m'a demandé en voyage il y a plus de 30 ans et que je lui suis resté fidèle. Euh, donc je suis actuellement grand reporter, c'est la fonction, hein, euh, pour une chaîne que, qui, est, qui est ma vie, qui s'appelle Ushuaya TV, qui est la, la euh, filiale dédiée à la préservation de l'homme et de la nature du groupe TFA. Très bien. Euh, merci Christine d'avoir accepté cette, cette interview. Euh, nous avons eu l'occasion de, de nous connaître il y a quelques années dans le cadre euh, d'activités dont nous aurons peut-être l'occasion de, 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 de parler. Mais d'abord, je voudrais faire un petit, un petit retour sur votre vie professionnelle. Euh, vous avez commencé cette vie professionnelle dans des endroits du monde qui font l'envie de beaucoup de voyageurs, comme Tahiti. Par exemple. Ah, Est-ce que oui. c'est là que vous avez développé votre conscience sociale et écologique Est-ce que c'est là que vous avez pour de bon décidé d'en faire une carrière Alors, euh, de, de, de faire du journalisme euh, ma carrière. Euh, oui, je pense que l'envie le, 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 euh, euh, a, a pris corps entre la l'île de La Réunion et effectivement ensuite la Polynésie française, la Guyane. Voilà. Mais l'engagement euh, écologique... Euh, il est venu plus tard réellement. Euh, il est venu euh, de manière mais très très appuyée, très concrète euh, en 2007. Donc finalement assez tard. Euh, en revanche, euh, j'avais euh, séjourné et été correspondante en Afrique de l'Ouest euh, euh, à la fin des années 90. Et là, j'avais commencé à toucher du doigt un thème qui m'est cher, euh, c'est la, la, le télescopage des crises euh, à la fois environnementales et, et, et sociétales, euh, notamment en termes d'insécurité de, euh, de, alimentaire, de raréfaction de la ressource en eau. Donc ça, c'est des choses dont on parlait dans nos reportages d'actu, euh, mais qui n'étaient pas encore portées haut euh, comme peuvent l'être ces enjeux euh, en termes de, de mobilité citoyenne Comment est-ce que vous avez fait le lien avec le, avec le voyage qu'est- ce qui vous avait relié cette conscience écologiste et sociale avec ce qu'on appelle de façon un peu galvaudée le tourisme quelle a été votre impression initiale? Le, le voyage, c'est euh, la, la notion de voyage, c'est-à-dire d'être sans arrêt en, en, en mouvement et à la rencontre de l'autre. Euh, ça, j'allais dire, j'ai je, je, commencé par ça tout à l'heure. C'est mon, euh, mon ADN, c'est ma colonne euh, vertébrale. Je pense que euh, si je fais ce métier-là, c'est parce que je l'ailleurs euh, me, me nourrit depuis toujours. Oh des volcans qui s'obstinent à rester actifs, des peuples du Nord qui défendent farouchement leur langue et leurs identités autochtones dans cette nouvelle Eldorado planétaire qui est devenue l'Arctique. Et bien sûr, des ours à qui la taïga et la toundra dressent un tapis vert et rouge, des rivières remplies de saumon jusqu'au sommet des montagnes. Bienvenue au Kamchatka pour cette nouvelle enquête au Shoya TV. Euh, mais le, la, la, la corrélation entre cet ailleurs et l'engagement, c'est-à-dire le, le, le fait de choisir son camp euh, et, et de porter haut euh, ces enjeux-là et une certaine vision du monde, euh, ça, c'est venu, venu plus tard. Où Shoyam a apporté ça? Euh, les enquêtes ou à TV m'ont apporté ça. Au début, le terme développement durable, je, ce, ce, ça faisait pas partie de mon. Très sincèrement, ça, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Ce qui faisait partie de mon vocabulaire, c'est la rencontre humaine. Alors depuis 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière, Christy Est-ce que vous avez identifié des jalons Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu au début des années 2000, euh, effectivement, j'entre dans le groupe TF1 euh, et par la porte bretonne. Hein, moi, je suis très, très attachée à cette, à cette région de France parce que j'y aime euh, à la fois les, les hommes et les paysages. Euh, et par la suite, euh, j'entre dans une, cette fameuse chaîne qui s'appelle Ushuaïa TV. Là, donc, nous sommes en 2000, 2007. Euh, 2007, vous savez, c'est une période charnière, en tout cas en France, puisqu'on est dans. Le, le Grenelle de l'environnement, avec l'engagement que vous connaissez de, euh, notamment de Nicolas Hulot, évidemment. Et là, euh euh, je me dis, on me demande d'animer de, de, euh, euh, une, une émission quotidienne dédiée, à ce qui s'appelait Passage au vert à ce moment-là, où on recevait toutes sortes de, euh, de personnalités people à qui on, on demandait de parler d'écologie. Voilà. Mais le but de ça, c'était vraiment une, une recette très TFA. Hein, c'était de créer le désir autour euh, de ces enjeux environnementaux. Voilà. Donc à partir de là, euh, pour me nourrir, il a fallu que j'entre en contact avec euh, euh, beaucoup de, notamment d'ONG, hein, je pense au WWF qui a été très important pour moi à ce moment-là. Et là, j'accède aux infos. Et j'accède aux infos, euh, j'accède au rapport du GIEC, du, le, 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 le groupement des experts du, du scientifiques du climat. Et là, je prends conscience... Euh, qu'il y a effectivement péril en la demeure et que, et, et, et qu'il faut radicalement changer de paradigme, radicalement de changer de modèle et que nous, les journalistes, Avons notre notre part à jouer, notre rôle à jouer, parce qu'il faut raconter une nouvelle histoire. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, là je m'engage, là je m'engage, je fais partie du euh, du, du conseil d'administration du WWF, je me rapproche d'autres ONG, je me rappole, rapproche de la jeunesse engagée pour le climat aussi, et ça aux quatre coins du monde, voilà. Et à partir de ce moment-là, oui, je ne suis plus une journaliste euh, simplement d'actu, je suis plus seulement une reporter. Euh, je, je, je porte un message. D'accord. Et Ouchaga TV, où vous êtes maintenant, dont vous êtes aujourd'hui un, un, un des piliers, euh, porte le nom d'un endroit du monde qui, euh, qui marque une limite géographique, voire même climatique. C'est aussi le nom d'une émission qui est devenue culte pour les Français, dont l'auteur et présentateur est devenu une figure de la défense de l'environnement. Vous avez cité son nom il y a quelques instants, Nicolas Hulot. Donc c'est un journaliste devenu activiste et puis ensuite ministre de la République. J'imagine que cela vous a inspiré Écoutez, oui, oui, d'abord parce que euh, Nicolas, Nicolas Hulot nous a ouvert la voie. Je, 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 il, est, il est clair qu'il n'y aurait pas eu de, de chaîne ou Choya TV s'il n'y avait pas eu euh, ou Choya Nature un jour. Bon, euh, ce qui est intéressant euh, dans le parcours de Nicolas Hulot, euh, c'est justement l'entrée en écologie. Il n'est pas, il n'est pas né écolo. Il l'a souvent écrit, hein, ça, il n'est pas né écolo. Et, et, et je pense que il y a eu un moment, et je pense pour avoir travaillé un peu sur, ce, sur son parcours, euh, la rencontre euh, avec le désert et avec Théodore Monod a été un moment charnière, euh, comme si ça lui avait permis euh, d'atterrir, de, euh, de passer de ce, euh, de ce logiciel euh, propre, à, pr propre à Ushuaïa, propre à quelque chose d'extrême, de, le magazine de l'extrême a finalement une écologie à hauteur d'homme beaucoup plus euh, proche de ce qu'il va de ce qui va être euh, le, le pilier de son enfin le socle de son de son engagement et en fait on peut rappro rapprocher ça de cette évolution là de ce qui est arrivé euh, pour euh, le commandant Cousteau euh, c'est euh, à partir du moment où euh, Jacques Cousteau entre euh, va en Antarctique qui change radicalement, qui se, qui se, qui se met à écouter euh, les messages euh, euh, que l'on lui soufflait, murmurait à l'oreille. Et là, il, il, ça devient un engagement pour lui. Donc euh, moi, je pense que c'est important et, et on a tous comme ça des rencontres qui font qu'on bascule et, et qu'on s'engage. Oui, moi, c'était Monaco. Euh, c'était euh, euh, l'inspiration qui m'a été donnée par, euh, par euh, toute cette... Euh, cette, ce, ce mouvement absolument incroyable que, que je pouvais euh, constater à, à Monaco, où euh, une grande partie des gens, en fait, sans le dire, hein, pour autant, euh, font partie d'ONG qui, euh, qui travaillent sur ces sujets et évidemment ont été particulièrement inspirés et, et encouragés par. Euh, l'engagement du prince Albert, je voulais le dire, parce qu'on on, s'est rencontrés, Christine, dans, dans un cadre monégasque. Mais je voulais, je voulais revenir à, à Nicolas Hulot, et, et peut-être aussi euh, peut-on extrapoler son expérience euh, à, à, à d'autres expériences similaires euh, de personnalités de, comme Jacques Cousteau ou euh, que sais-je. Que, Quelles leçons avez-vous tiré de, de l'expérience de Nicolas Hulot dans, je veux dire, la, la, la difficulté de faire progresser l'agenda de la de la soutenabilité, de la protection de l'environnement, en dépit de la célébrité, de, de, de l'influence dont on dispose quand on est quelqu'un au premier plan que tout le monde connaît, et, et voire même quand on arrive à avoir un pouvoir euh, institutionnel au niveau national. Il a tout de même été ministre. Euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, finalement, euh, quand on voit euh, non pas son renoncement, mais quelque part euh, son jet de l'éponge, est-ce que est-ce qu'on se dit à quoi bon, Christine, ou, ou est-ce qu'on se dit finalement on va en tirer un plan de bataille et, et on repart encore plus volontairement, euh, j'oserais dire à la guerre Alors euh, euh, surtout pas à quoi bon surtout pas à quoi bon. Je pense que euh, l'expérience de Nicolas Hulot et, et, et ce fameux jour d'août où euh, effectivement il contre sans, sans, sans en avoir parlé même à ses proches, euh, il décide euh, sur l'antenne de France Inter euh, de dire euh, je ne suis pas d'accord avec euh, avec le, 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 le prisme dans lequel privé. on veut m'enfermer et il n'a pas jeté l'éponge. Moi je suis contre cette idée de jeter l'éponge parce qu'au contraire son euh, son ce coup si vous voulez a eu une parmi une, une grosse vertu c'est qu'il a euh, il a engendré euh, au sein de la jeunesse notamment un une adhésion absolument inédite pour avoir vraiment travaillé dans la foulée sur euh, sur un documentaire qui s'appelle Les Enfants du Vide et qui euh, qui parle de la mobilisation de la jeunesse euh, aux quatre coins du monde. Il euh, y, y a un avant et un après euh, le, 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 la décision de Nicolas Hulot. Et, 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 et pourquoi cette décision a eu euh, a eu ce, euh, ce, cette vertu ces vertus là C'est qu'elle était sincère. Moi je moi je crois je crois que cette, ces enjeux-là, ils ne souffrent pas de l'hypocrisie. Parce que ça finit, ça finit par, euh, par faire pchit, <laughs> vraiment par être euh, totalement effectivement. Je pense que ce qui est important, euh, c'est d'être à sa place et, et, et d'avoir de, et de, et, 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 et la, la, la lucidité, la sagesse euh, de, de se dire, de ne pas se mentir, de se dire je ne suis pas à ma place, je, je, je serai beaucoup plus utile si je ne suis pas dans la sphère politique. Donc euh, oui, enfin moi je pense que euh, en ce qui me concerne, moi je 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 je, je sais, j'ai la conviction que l'endroit le, le, où je suis plus utile, euh, bah c'est dans 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 ce métier-là de qui consiste à raconter des histoires documentaires. C'est comme ça que je, je fais ma part de de ma petite part de colibri là. Mais euh, il faut pas se il faut pas se planter de de place, voilà. Et la célébrité, mon dieu, ça c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Pff, la célébrité, mais euh, Auprès de qui, auprès de quoi Non, ce qui compte, c'est la trace. C'est ce qu'on ce qu laissera. C'est ça qui compte. Ce pas les feux de paille de la célébrité. Moi, je crois pas à ça. Oui. Euh, enfin, ça n'est pas toujours un feu de paille. D'ailleurs, il euh, euh, y, y a énormément de gens célèbres euh, qu'on connaît tous, enfin, au-delà de Nicolas Hulot, bien sûr, qui n'a jamais vraiment. Euh, était célèbre pour pour, pour pour des raisons disons très glamour et c'était un journaliste il, a, il, a, il, a, il avait une, une émission de télévision qui était appréciée par par les Français mais il, il n'a jamais été vraiment une star de cinéma ou un, ou un chanteur de rock alors on, on peut penser à Leonardo DiCaprio par exemple qui, qui fait partie de, de ses profils un petit peu justement euh, célébrité. Mais euh, euh, ils, ont quand même des, euh, ils ont quand même un pouvoir, ces gens- là parce que quand ils disent quelque chose ou quand ils tweetent quelque chose, euh, il y a des millions de gens qui, euh, qui lisent. Et, et donc euh, je trouve que euh, la célébrité, c'est quelque chose qui peut être mis au profit euh, de, ces, euh, de, de ces causes. Et vous avez raison, Christine, dans ces cas- là, et bien que les stars utilisent leur, euh, leur stardom, leur statut, D'icônes euh, nationales ou mondiales pour euh, faire avancer ces agendas. Je trouve que c'est. C'est tout à fait méritoire. Oui, mais on en, on en revient, on en revient toujours à cette, à, à cette question d'histoire, de, de narration qui est, qui, est, qui est fondamentale. En fait, les gens adhèrent à une histoire. Euh, Nicolas Hulot, on a adhéré à une histoire. Euh, plus récemment, euh, j'aime je, 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 à parler beaucoup de, de Camille Etienne. Camille Etienne, c'est fait partie de, de ces jeunes égéries du mouvement euh, Youth for Climate auprès de Greta Thunberg. Donc, c'est vraiment. Euh, et, et Camille, elle est, elle est montée en puissance parce qu'elle a une histoire à raconter. Euh, C'est une jeune femme euh, qui est originaire de Savoie et, et qui en même temps est venue à Paris faire des études de Sciences Po, euh, mais qui n'a jamais oublié euh, qu'elle était son socle, euh, son, son ancrage naturel dans, dans, dans tous les sens du terme. Et, et, et de cette histoire-là, qui est une histoire familiale, une histoire parentale, elle a fait aujourd'hui le socle d'un engagement euh, d'une passionnariat qui est capable effectivement de camper devant l'Assemblée nationale parce que... Elle estime que euh, le, la, 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 les mesures qui sont prises par la, prise par la France en matière climatique ne vont pas assez loin. Euh, mais, mais à la base, c'est d'abord de, de savoir qui on est, quelle histoire on, 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 on représente soi-même, individuellement. C est, c est, moi, je pense que, que ces enjeux-là en, enjeux ont besoin euh, d'histoire euh, humaine plus que de célébrité. Moi, je. je, je... Pourquoi, Pourquoi je me méfie beaucoup de cette histoire de célébrité Parce que, c'est comme je peux me méfier, et ça, on en parlera tout à l'heure beaucoup, euh, c'est pour ça que j'ai écrit une nouvelle série qui s'appelle L'autre voyage. Je me méfie beaucoup du prisme des réseaux sociaux. Parce que c'est un raccourci de la pensée. C'est un raccourci de la pensée. Il faut aller derrière les réseaux sociaux. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Comme Alice au Pays des Merveilles est allée voir ce qu'il y avait derrière le miroir. Vous avez raison. Et d'ailleurs, euh, euh, ça me permet de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et de faire euh, comme en cours de philosophie, euh, de définir euh, les concepts avant de commencer à en discuter. Alors, Christine, quelle est votre définition de la sustainability, la soutenabilité C'est pas très joli en français d'ailleurs. Est-ce est -ce, est -ce, est -ce que c'est le bon mot ou le bon concept d'ailleurs pour prendre au sérieux la, la situation environnementale qui caractérise la planète Terre en 2021. Y a-t-il d'autres sujets cruciaux selon vous que ce mot ne représente pas Alors, euh... moi, je, 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 je... c'est vrai que je n'aime pas trop ce mot-là. Euh... D'ailleurs, à tel point que je, je... Je, je plaisante souvent en disant ben on fait pas tu fais partie du club du club des devs durs dev. je, moi je crois à la notion de durée je crois à la notion de temps long que que suppose la notion de, de développement durable hein? la, le, la notion de temps long est, est, est fondamentale c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée euh, que les choses ne puissent pas changer euh, d'un coup de baguette magique. Bon. Et qu'il faut s'inscrire, qu'il faut faire des choix sur le, sur le temps long. Euh, ça c'est une première chose je crois beaucoup à la notion de désir Alors, on est toujours dans des dés, hein, de désir d'envie, d'envie et l'autre chose aussi je crois beaucoup à la notion, tout à l'heure je parlais de traces mais d'empreintes euh, euh, c'est pour ça que je suis très très intéressée notamment en matière de déco-construction par euh, tous ces systèmes qui permettent de, de, réver, pardon, de réversibilité au contraire c'est à dire qu'on puisse euh, euh, débarrasser finalement la le terrain, la nature euh, de notre présence euh, et, et qu'elle euh, qu finalement, qu'elle qu reprenne ses droits euh, sans qu'on l'ait euh, outragée. Ça, c'est important. Voilà. Donc, euh, désir, durée, temps long et, euh, et empreinte, trace. Oui, donc vous, vous nous parlez de, de la nature et vous nous parlez aussi des hommes. D'ailleurs, c'est, je crois, le... Le nom de la, de, la, de la fondation de Nicolas Hulot, n'est-ce pas? Euh, oui. Dans, dans, dans votre série euh, Enquête euh, Ushoyati TV, euh, vous avez sillonné le monde pendant une dizaine d'années à la, à la recherche de sujets euh, exemplaires en vue de montrer les enjeux planétaires de la préservation de la nature et des hommes, et, mais par la mise en, en valeur d'actions locales. C'est là où on parle des hommes. Quels sont, et des femmes bien sûr, euh, quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez retirés euh, des 25 films 25 films c'est à peu près ça, non Que vous avez oui, réalisés oui, oui. Mmh. Alors il y a eu, euh, j'allais dire, une... une, une une progression mais enfin une progression une évolution euh, presque logique c'est-à-dire que euh, j'ai renoué en fait euh, grâce à Ushuaia TV avec leur le, le, le reportage de terrain euh, et j'ai commencé par l'Afrique par l'Afrique de l'Ouest et c'est normal puisque pour moi c'est vraiment euh, dans mon parcours il y a eu un avant et un après euh, mon, mon, mon séjour en Afrique de l'Ouest je pense que ça m'a ça m'a ça m'a marqué ça ça a marqué la femme que je suis parce que ça m'a obligée à, à changer de code, à, à, à considérer que, euh, y compris pour ces, ces enjeux de développement durable et de, de rapport à, au réchauffement climatique, etc., la notion de « il faut toujours tenir compte du terrain euh, où on exerce euh, et de la culture où, 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 où on exerce ». Ça c'est c'est Fondamental. On aimerait que ces enjeux-là soient universels. Euh, ça, c'est tout le problème des négociations euh, climatiques euh, onusiennes. <laughs> c'est que euh, euh, Brice Lalonde, que j'aime beaucoup, euh, me disait mais, mais imagine une réunion de copropriétaires dans un immeuble, c'est déjà compliqué pour se mettre d'accord. Donc, quand tu as 197 euh, pays, c'est encore plus difficile. Enfin, évidemment, donc il faut tenir compte de la culture des gens. Et de, on ne on peut, peut pas balancer les mêmes discours à tout le monde et espérer que, euh, que, les, 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 que la greffe prenne, c est, c est, ça marche pas comme ça, euh, donc c'est important de tenir compte de la culture de l'autre et, et l'Afrique m'a appris ça, vraiment, il y a des choses que euh, je, je pensais encore une fois, des principes de démocratie, des principes de, euh, de rapport à l'autre, à la vie, à la mort, je, que je pensais universel mais pas du tout, ça marche pas comme ça, voilà donc euh, le fait d'avoir repris le reportage par un premier sujet qui nous avait amené au Sénégal notamment, euh, où j'avais été très très marqué par, euh, par ces images qu'on avait tournées dans, dans, la, dans la banlieue de Dakar, où on voyait ces, ces quartiers euh, euh, en proie aux inondations, mais qui, qui s'enfonçaient avec des gens qui, qui s'enfonçaient. Dans, dans, dans le sol, euh, un peu comme on, on sombre dans les bas-fonds. Simplement, simplement la, 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 le télescopage entre la crise sociétale et environnementale était euh, était prégnant. Et, 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 et je me disais, on peut on, on, on ne peut pas séparer euh, l'enjeu environnemental de l'enjeu sociétal. Et ça, c'est un, un, un de mes chevaux de bataille. C'est très important pour moi, ça. De la même façon qu'on ne peut pas euh, séparer les enjeux environnementaux de la notion de paix ou de guerre. Euh, ça aussi, c'est très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'évolution, j'allais dire, idéologique. Après, euh, l'évolution géographique, euh, je pense que l'année 2010 et ma, ma rencontre avec, euh, avec l'Antarctique, euh, et d'abord la Géorgie du Sud, la péninsule antarctique, ça, ça oui, ça, 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 a soulevé mon, ça a soulevé mon cœur et mon engagement, parce que l'homme est tellement en minorité euh, qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se... Moi, je me souviens très bien. Hein, je me suis couché au milieu des manchots et, et je me suis cuit pendant c'est plus que des minutes, hein, une heure, deux heures. Quelle chance! Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Là, je, je, je bah, comme le montre d'ailleurs cette, cette photo que j'ai ramenée, hein, c'est, c'est, je l'ai jamais enlevée de mes réseaux sociaux, cette photo-là. Euh, c'est, elle est, elle, elle est fondamentale. Vraiment, vraiment. Et, et, et d'avoir côtoyé pendant ce voyage Michel Rocard, euh, feu Michel Rocard, ambassadeur d'Épaule à ce moment-là, et qui, qui se souvenait, euh, de, 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 son, de son engagement finalement de, de, euh, écologique qui, est, qui était né dans la forêt de Rambouillet quand il, quand il observait les animaux. Et là, tout est revenu, tout est revenu. En fait, j'ai découvert un, un ancien premier ministre qui était aussi un, un, un capteur d'images. Et, et c'était... Ouais, c'était beau, finalement. C'était bouleversant, plus que beau. C'était bouleversant. Voilà. Donc, oui, ça, l'Antarctique, mais comme... Tous les gens qui ont la chance d'avoir côtoyé ces endroits-là du monde en parlent. Mmh. J'imagine que tout, toutes, ces, euh, toutes, ces, toutes ces réalisations on, on vous ont changé en tant que journaliste d'investigation, enfin, en, en tant qu'enquêtrice en tout cas, euh, en tant que citoyenne peut-être et euh, même peut-être en tant que femme. Euh, Qu'en pensez-vous Oh, je, je, je pense que euh, je, mes fils participeraient à cette à, à, à ce podcast. Il vous dirait que il n'y a pas un jour où où, où, où j'évoque pas ces enjeux-là, ces rencontres-là, ces il euh, n'y a pas un tournage où, enfin, rares sont les tournages où je ne me dis où j'ai pas envie finalement que ma, ma vie commence dans ce pays-là dont do, do, don je rentre parce que tant je suis euh, euh, imprégné de, de, de ce que, des témoignages que les, 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 les gens m'ont donné. Alors évidemment, il y a des pays qui, qui, euh, qui sont plus ou moins bouleversants en fonction de la situation qu'ils qu traversent. C'est sûr que lorsque je suis rentrée du Kurdistan irakien et, et, et de ma rencontre avec les yézidis, euh, pff, là c'était. Euh, jamais j'oublierai ça, jamais j'oublierai ça. C est, c est, euh, cette notion de paix ou de guerre, le Liban évidemment aussi beaucoup. Euh, elle, elle est, ou du Tchad, les rives du Tchad, les rives du Tchad. De, oui, oui, oui. Parce que, parce que finalement, euh, qu'est-ce qui compte le plus sinon la vie ou la mort Voilà. Et pour moi, ces enjeux-là, maintenant, au-delà du tri des poubelles et de savoir si on mange bio, c'est une question de paix ou de guerre, c'est une question de vie ou de mort, c'est aussi simple, c'est aussi basique que ça, aussi humain que ça. Absolument. Et euh, ça, ça me permet de vous, de vous poser une question que j'ai toujours voulu vous poser euh, à propos des femmes, j'en ai vu de très nombreuses dans vos films. Euh, elles sont, euh, vous, vous avez représenté euh, la, la diversité des, des genres de façon exemplaire. Euh, et ces femmes m'ont souvent inspiré. Pensez-vous, comme, comme je le pense d'ailleurs, que le, le rôle des femmes dans le défi euh, actuel gagnerait à monter en charge Est-ce que, euh, est que la Terre tournerait plus rond si davantage de femmes étaient en situation de pouvoir politique, euh, économique Est-ce que cette crise environnementale... Euh, serait euh, mieux adressé En tout cas, euh, le... il y a dans le monde des exemples comme ça, euh, effectivement. Euh... Je pense notamment. Enfin, euh, vous connaissez sans doute euh, Wangari Matai au Kenya, par exemple. C'est des, des, des femmes comme ça qui. Euh... Euh, ou, ou euh, je, je pense à aussi à une, une jeune femme moins connue qu'elle, qui s'appelle, mais quand même, qui, qui finira par l'être autant, Amani Béani, Béani euh, au Liban. Euh, ce sont des jeunes femmes qui... Euh, euh, D'abord risquent leur peau physiquement, physiquement, enfin qui, qui ont pu être molestés, qui ont perdu leur travail, euh, qui ont euh, euh, qui ont été bafoués pour certaines aussi, enfin et, et mais qui viscéralement, enfin comme on porte un enfant, en fait, je... je évidemment. C est, c est ce qui est, pourquoi les femmes pourquoi bah, Parce que y a, bah, la notion de terre-mère, malgré tout, euh, oui, elle est maternelle. Elle est maternelle. Moi, c'est maintenant... Euh, euh, oui, je, 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 le parallèle, il est là. Et puis après, il y a aussi quelque chose de très euh, pragmatique, c'est-à-dire euh, nourrir, nourrir ses enfants, nourrir l'autre. Euh, les mamans sont obsédées par ça, par l'avenir immédiat de leurs enfants. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus être sexiste. Hein, dans ce, faut prendre garde à ne pas l'être hein. euh, mais il n'empêche que les y a beaucoup de celles qui ont pris le maquis pour défendre la terre ce sont souvent des femmes oui hmm, c'est mon impression aussi des femmes et, et souvent des, des jeunes de plus en plus des jeunes aujourd'hui alors re, re, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que vous pensez, Christine, que la crise du Covid et la crise économique qu'elle a déclenchée, qu'elle continue à, à déclencher, dans un contexte déjà tendu, euh, marque euh, par une, une, une sorte d'antagonisation des sociétés et de tentations autoritaires de plus en plus décomplexées Pensez-vous qu'elle est notre chance de rentrer enfin dans ce qu'on appelle l'ère du verso, parfois, de changer pour de bon et de changer pour le mieux Qu'est-ce qu'on doit faire, selon Christine Oberdorf alors, je pense que euh, la crise du Covid, elle a elle, elle, beaucoup de gens l'ont dit. Hein, elle agit comme un révélateur. Elle ne pas, elle fabrique pas un système, mais elle, le rêve, elle révèle un système qui était en, 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 en émergence, euh, un nouveau système. Ça, je, je, et, et elle révèle les choses pour le meilleur et pour le pire. Hein. Euh, je ne crois pas au grand soir. Je ne pense pas que. Le, alors, même si. Euh, euh, <laughs> Même si le, le, la notion de monde d'après, c'est une notion que j'utilise aussi, mais, mais, mais euh, les choses elles sont pas aussi manichéennes, elles sont pas aussi manichéennes. En revanche, euh, je pense que la crise du Covid, d'abord, elle, elle, elle nous ramène à l'essentiel. Ça on l'a beaucoup dit. Qu'est-ce qui est important pour nous euh, Où on a envie de vivre Comment on a envie de vivre euh, et Quel sacrifice finalement quel sacrifice, quelle risque pas, pas sacrifice mais quel risque on, on est apte à, 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 à courir euh, pour se rapprocher de, de l'essentiel de ce que l'on est de ce que l'on ce pourquoi on est sur terre voilà bon euh, donc ça moi je bah, je sais que ça a été euh, Ma propre évolution, ça a été celle-là. Hein. Euh, après, ce que je crois aussi, c'est que ça, ça renforce l'instinct. L'instinct, mais dans, dans ce qui peut aussi avoir de vertueux. Je pense qu'il faut, il faut définitivement s'écouter euh, et s'engager. S'engager, prendre des risques. Quoi. Voilà, c'est important. Votre nouvelle série, L'Autre Voyage Vient d'être lancé, Christine, avec un épisode tourné au Liban et un second épisode que vous venez de tourner à Mayotte. Je crois que vous, en, vous rentrez de Mayotte il n'y a pas très longtemps. Oui. Euh, nous, on est d'autant plus intéressés d'en parler que, euh, vous, avec ce titre, euh, L'autre voyage, vous êtes au cœur de ce que nous nous efforçons de mettre en avant dans euh, le, le podcast. Euh, Qu'est-ce que c'est, L'autre voyage, Christine oh bah, Je. je, je... Je vous propose, si vous voulez, je, je vous propose juste, euh, parce que ça ne dure pas très très longtemps, 30 secondes euh, du, 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 du générique de, de début de l'autre voyage, parce que j'y euh, donne le pitch, euh, le pitch de l'émission. Euh, donc je vous propose d'écouter ça. On regarde ça. Le 21e siècle est ainsi fait. Il met le monde à la portée de tous et nous permet de voyager comme ça, comme une valise, sans se poser de questions. Deux ou trois clics sur Internet et nous voici projetés à l'autre bout du monde, dans un des musties vantés par les professionnels du tourisme. Deux ou trois gestes du pouce dans l'autre sens et les réseaux sociaux nous dissuadent à l'inverse de visiter des pays de légende. Des légendes, l'archipel de Mayotte en abrite beaucoup derrière sa double barrière de corail. Mais à quelques 8000 km de Paris, le 101e département français fait exploser les compteurs de la pauvreté, de l'insécurité, de l'immigration. Amplifié par les réseaux sociaux, cet endroit du décor agit comme un tulle du tourisme. Et pourtant, l'île aux lagons, lovée dans le canal du Mozambique entre le continent africain et Madagascar, continue d'attirer les humains pour y faire des enfants et les tortues pour y pendre leurs œufs. Alors. Pour comprendre si nous passions de l'endroit à l'envers du décor, si nous choisissions un autre voyage. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est euh, d'aller au-delà du simple clic sur internet qui nous permet de, 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 de voyager à l'autre bout du monde j'allais dire comme une, comme une malle. moi je, 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 je me souviendrai toujours de cette expression qui avait été employée à, à mon encontre par à l'époque j'étais stagiaire, enfin stagiaire jeune journaliste en nouvelle-calédonie et une journaliste plus expérimentée plus âgée plus expérimentée que moi m'avait dit mais arrête de voyager comme une malle ça voulait dire. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, euh, 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 va, va au-delà de, de, des premières impressions. Et du coup, je me suis souvenue un peu de cette expression. Et quand on m'a demandé d'écrire de, cette nouvelle série, je me suis dit, je vais travailler sur cette idée. Euh, euh, comment faire pour ne plus voyager seulement comme une valise, donc avec une conscience environnementale Oui, vous avez écrit Voyager comme une malle, c'est se déplacer sans conscience sans faire le pas de côté nécessaire pour sortir du séquencier de ces idées reçues. J'aime beaucoup. Je voulais vous couper parce que, euh, comme vous l'avez écrit, je voulais le partager avec, euh, avec nos, nos auditeurs. Continuez. Et, et cette idée, c'est celle-là. Donc, c'est donc du coup de... de euh... Je, je prends l'exemple du, du, du Liban donc, euh, dont que vous évoquiez euh, tout à l'heure. Euh, le Liban, euh, mois d'août l'année dernière, entre dans la peau du monde euh, à, la, à la faveur de, euh, bah, de cette fameuse, enfin cette tragique explosion dans le port de Beyrouth. Et là. Comme tout le monde, comme tout le monde, je suis euh, devant, devant, mes, devant mes écrans euh, et je, 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 je vois ce pays entrer euh, en, en, et je me dis il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Mais dans le, il faut que j'y aille, c'est que déjà je savais qu'il fallait que j'aille derrière, il fallait, il fallait aller voir ce qui se passait derrière cette, cette explosion, quel, quel était le la mobilisation, qu'est-ce que ça allait bouleverser finalement dans ce pays. Voilà. Alors, c'est intéressant, vous, vous, disiez, vous, vous dites euh, passer derrière, et euh, d'ailleurs dans, 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 dans l'épisode du Liban, je crois, vous, 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 passez, vous parlez de passer de l'autre côté du miroir. Et ça m'a rappelé euh, le roman de Lewis Carroll, ça m'a semblé tout à fait euh, euh, bien adapté aussi, à, si l'on considère la façon de voyager. Euh, ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'en fait, euh, euh, dans le premier roman, euh, Alice au pays des merveilles, Alice est un pion. Elle traverse le roman et, malgré toutes ces aventures que le lecteur trouve extraordinaires, malgré les métamorphoses que qu Alice subit, on a l'impression qu'elle en ressort inchangée. C'est peut-être un peu justement le voyageur qui consomme. Et puis, dans l'autre côté du miroir, qui est le second roman. Alors là, Alice, euh, trouve, euh, Alice trouve autre chose, et, et de pion, ou de disons, de quelqu'un qu'on qu qu qu'on passe d'un endroit à l'autre, elle devient reine. Elle est auteur et actrice de son destin. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile pour elle. Et ça vous a évoqué quelque chose, j'imagine. C'est pour ah ça que vous y avez pensé, non c'est complètement ça. Et d'ailleurs, je trouve que l'adaptation euh, qu'en a fait euh, Tim Burton penche, euh, choisit plutôt euh, cette deuxième version d'Alice, la femme qui finalement choisit, la jeune, jeune fille qui choisit son destin, qui choisit son destin, qui choisit de ne pas se marier avec, euh, avec la, la personne qu'on voudrait lui imposer, qui choisit de, de suivre les traces de son père, euh, donc, euh, qui était euh, un voyageur, un entrepreneur, etc. Et moi, j'aime je, 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 cette idée-là. J'aime cette idée de, de, euh, de choisir, de choisir euh, alors en, en ce qui me concerne, la manière de raconter mon histoire. Et, et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup fait, euh, depuis quelques années, euh, évoluer même par rapport à la notion de journalisme. Normalement, le journalisme, euh, on ne choisit pas un camp, on, on fait parler les différentes... Euh, on, la déontologie journalistique suppose que l'on reste neutre. Euh, ou en tout cas équilibré. Euh, moi, je pense que quand on traite de ces enjeux-là, euh, de, de la préservation de l'homme et de la nature, euh, maintenant, moi, je choisis, je choisis euh, mon camp. Dans, à la fin de mes histoires, on sait, on sait vraiment, euh, on sait vraiment euh, euh, quelle, est la, quelle est, Je pense qu'on comprend quelle est ma vision du monde. Voilà, qui est pas une vision. Euh, 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 moi, je. je je, 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 je fuis un monde inégalitaire. j'ai peur de ça. j'ai peur des sociétés inégalitaires. j'ai peur des sociétés capitalistes. j'ai peur euh, d'une croissance effrénée. oui, bien sûr, je n'est pas mon monde à moi. en tout cas, voilà. alors, bah c'est bien que vous me vous me, deniez, vous me mettiez le pied à l'étrier. Euh, j'ai une question, justement, à ce sujet. Euh, comment peut-on concilier une idée pure du voyage, pas basée sur la consommation et le mercantilisme. Dans un contexte où le voyage a été instrumentalisé pour précisément vendre toujours plus. Qu'est-ce qu'on fait des milliers de Hilton, de Sheraton, de Sofitel Comment on fait pour appuyer sur Reset sans mettre des centaines de milliers de gens au chômage en, en somme, est-ce que cette idée du voyage euh, que nous partageons, vous et moi, je, je le confesse, euh, n'est-elle pas un idéal pour Bobo, revenu de tout et de partout Précisément parce qu'ils y sont déjà allés. Alors, moi, ce que je pense, c'est que le problème, ce n'est pas les tours, ce n'est pas les Hilton, ce n'est pas l'emballage, c'est ce qu'on met dedans, c'est ce que celles et ceux qui les fréquentent, ces fameux Hilton, ont dans la tête. Euh, moi je, 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 je crois d'abord à ça, effectivement le tourisme est, un, est une industrie importante qui fait vivre des tas de gens, ça c'est bien sûr. Bien sûr. Mais euh, je, je, je pense notamment. Alors, il y, y, y a plusieurs exemples. Il y a celui dont on rentre, là, celui de Mayotte, dont je parlerai dans un instant, mais il euh, y a celui où nous allons aller après Mayotte, qui est Bali, euh, qui est une destination que vous connaissez, vous que vous naissez, moi que je ne connais pas encore, mais où l'on va aller parce que euh, Bali, c'est à la base, euh, euh, historiquement, euh, l'endroit, le, 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 le théâtre du tourisme route, des backpackers, etc. Et c'est devenu ensuite le, 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 le temple du tourisme de masse. Et sauf que la pandémie, apparemment... Euh, est, est en train d'opérer non pas un retour en arrière, mais en tout cas un, un, la construction euh, d'un plan B, comme, plan B comme Bali, c'est-à-dire avec plein d'Occidentaux qui pensaient n'y séjourner que 15 jours et qui finalement ont décidé d'y poser leurs valises euh, concrètement et qui travaillent avec des balinés pour construire une autre façon de vivre, mais avec leur, 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 leur savoir-faire et leur sens du business, etc. Donc ça, c'est peut-être possible. Cette troisième voie, est, elle est, est peut-être jouable. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, pour l'exemple, alors euh, cette fois-ci de, de, de Mayotte. Alors là, on est vraiment en plein dedans puisqu'on est, on euh, termine le montage de, de, de ce film. Mayotte. Dans cet ensemble de l'océan Indien euh, est à côté des Seychelles, de l'île Maurice, de la Réunion. Donc euh, pff, avec des, des temples euh, du tourisme de masse, en tout cas pour Maurice et les Seychelles. Euh, Mayotte, euh, tout, personne ne veut y aller parce que insécurité, immigration, euh, délinquance euh, euh, et, et, et pollution. Voilà. Sauf qu'on s'aperçoit que, que l'écotourisme, c'est-à-dire qui, euh, qui pourrait euh, participer à la fois de la préservation du lagon et de, 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 des, des espèces qui, qui y vivent, notamment les tortues, euh, pourrait être un rempart absolument euh, euh, plein d'espoir contre la pauvreté et contre cette fameuse délinquance. Et, et un outil d'intégration euh, pour, pour ceux qui euh, migrent à Mayotte en provenance notamment des Comores. Donc ce euh, n'est pas le tourisme en tant que tel qui est un problème, c'est les gens, c'est les hommes, ce n'est pas, pas, pas la matière, c'est ce qu'on en fait. Voilà moi je pense. Qu'est-ce que vous pensez de notre devise que nous avons mise en exergue sur le visuel de notre, de notre podcast, sur la, notre chaîne YouTube? Qui, euh, qui est euh, une citation de l'anthropologue américaine Margaret Mead qui dit que euh, un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés peut changer le monde. Ne vous trompez pas parce que c'est la seule chose qui, qui l'a jamais changé. Qu'est-ce que vous en pensez ah, moi, je, moi, je vais, je vais, je vais l'épouser cette devise. C'est bien sûr. Moi, je suis. Je suis euh... Euh, moi, je crois, je crois à ça. Je, 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 souvent, on me dit, mais, pff, euh, mais vous, on, vous êtes pas nombreux à penser ça, mais euh, pff, et alors, enfin, je veux dire, et alors, et alors, c'est, euh, ce qui est important, c'est, euh, c'est les, 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 quelques rares personnes qui font la différence, vraiment, vraiment. Alors, vous avez des, des fils, euh, mm. n'est-ce pas mm. Trois garçons, oui. Euh, que que, que conseillez-vous à la jeune génération qui aspire à, à faire ces métiers, qui crée la rencontre et dont les acteurs et les fruits font le, le sel du voyage euh, Est-ce que vous pensez qu'on est à la fin d'un âge d'or, Christine, ou bien y a-t-il d'autres choses à espérer Alors, je, je... Je, je pense qu'il faut, enfin il faut, euh, il faut euh, non, il faut rien du tout, mais euh, en tout cas, ce qui est important, c'est d'explorer de nouvelles manières de partir à la rencontre de l'autre, de l'ailleurs. Et, euh, et, 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 et encore une fois, j'en reviens à cette notion de temps long euh, et cette jeunesse-là. Moi, je, je, je lui, enfin. Euh, euh, je partage en tout cas avec eux mon expérience, qui n'est que mon expérience. Mais je pense que si je n'avais pas vécu autant ailleurs pendant dix euh, ans de ma vie, enfin euh, plus que ça maintenant, mais <laughs> à force de dire ça, mais le, 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 le voyage et le fait d'avoir euh, séjourné durablement ailleurs, mais séjourné, c'est-à-dire euh, partager la, la vie de l'autre longtemps, euh, c'est ça qui fait grandir. Ce n'est pas, pas les sauts de puce, hein? Ce n'est pas les sauts de plus. Donc ça devrait être une obligation de l'éducation nationale, c'est d'obliger de, de, les gens à vivre longtemps ailleurs. Voilà. Christine, on arrive à la fin de notre de notre entrevue tous les deux. C'était un, 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 un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir contribué. Euh, toute cette chaleur euh, et de t -t -t toutes ces considérations euh, vraiment euh, intéressantes. Je voudrais terminer euh, de façon un petit peu académique. On, on, on aime bien je, garder des références et en offrir euh, aux gens qui nous écoutent. Est-ce que vous avez quelques lectures ou quelques films à recommander qui sont propres à inspirer davantage de gens, jeunes et moins jeunes, à entreprendre un autre voyage alors déjà, ne jamais faire sa valise en oubliant d'y mettre un livre. C'est un compagnon de voyage aussi indispensable qu'un passeport, à mon avis. Ensuite euh moi, je reverrai volontiers euh, le Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Ça, c'est, euh, voilà, quand il s'agit de traverser le miroir, euh, allez-y. Et puis, euh, en ce moment, je lis Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est un, et qui est un ouvrage euh, qui a eu beaucoup de succès, mais qui réapprend la simplicité et, et le, les, juste les sentiments humains, euh, qui réapprend à, à réfléchir avec son deuxième cerveau, c'est-à-dire ses tripes. Plus que sa tête. C'est une des vertus du voyage, n'est-ce pas, de, de réapprendre et, ou de se reconnecter avec les sentiments humains et, et, et de constater qu'en fait, euh, fondamentalement, euh, nous, sommes, nous sommes attirés par les autres Réapprendre à, ouais, à aimer euh, ou pas, <laughs> à sourire, à, à être triste, à être gai, euh, pas toujours euh, programmer, réfléchir euh, et penser qu'on est euh, maître de tout. Voilà. Merci Christine. Salut à tous, merci à vous.